Salut tout le monde, c'est Draco. Aujourd'hui, donc, je suis en compagnie sur Skype de Victinium. Et de Mastercard 38. Ouais, salut les gens. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'intro, donc, j'ai reçu 3 box japonaises qui seront, comme vous avez dit dans le titre, à la vente. Avant, j'avais remonté des cartes que je viens de recevoir donc dans une lettre. C'est un échange que j'avais fait avec Titi Melvin 16. Donc, en bonus, il m'a mis un moustillon, un Arceus, comme vous allez pouvoir là, ici, voilà. Donc, une promo et l'Arceus électrique. Donc, à l'échange, si ça vous intéresse. Et 3 ex, donc japonaise première édition neuve prévue, donc le Viridium et Boreas et Fulguris, forme totémique. Donc, maintenant, on va parler donc des boosters. Donc, comme vous avez pu constater, donc, il y a 55 boosters, parce que 15, 20, 20. Donc, pour ces boosters-là, donc Battle Boost ici et BW9, donc les Gallo Cannon, il y a donc 5 cartes par booster, pour ceux qui ne le savaient pas. Et pour la Shiny Collection, il y a 4 cartes brillantes. Sachant que pour la Shiny Collection, on peut aussi tomber sur le Melota EX et aussi sur des Full Art. Et c'est pareil sur les Gallo Cannon et Battle Boost, on peut tomber sur des EX, sur des Zolo aussi, bien que sur Battle Boost, c'est pas des Zolo, c'est des Reverse. Et donc aussi, bien sûr, sur des Secrets et tout ça, et tout le tralala. Voilà, donc on va commencer, on va parler des prix. Donc il y a deux groupes, oups excusez-moi, ça fait s'écrouler. Deux groupes différents, donc on a Battle Boost et BW9 que je fais pas au même prix que Genie Collection. Donc les prix, donc sachez que d'ailleurs pour tous les boosters, j'ai bien dit tous, même pour la Genie Collection, le frais port sera gratuit, donc vous êtes pas embêté avec ça. Donc on va commencer avec ces deux là, donc le booster sera à 5€. Si vous me prenez deux boosters, ça ne vous fera pas 10€ mais 9€. Si vous me prenez trois boosters, ça vous fera seulement 13€. 15€ pour 4 boosters et pour 20€ vous en aurez 6. Voilà, donc plus vous prenez, plus vous êtes gagnant. Ensuite, pour la Shiny Collection, d'ailleurs n'hésitez pas à commander vite parce qu'il n'y a que 15 boosters dans les box, hein, je le rappelle, donc ça risque de partir vite. Le booster, ce sera 5€, 2 boosters, 10€, 3 boosters, ce sera 15€ plus 1 gratos, donc en gros 4 boosters, 15€. Et si vous prenez 4 boosters, ça vous fera 20€ plus 1 gratuit, donc 5 boosters, 20€, voilà pour la Shiny Collection. Vous pouvez bien sûr en prendre plusieurs de chaque série, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre que d'une série en particulier. Mais vu que Shiny Collection et les deux autres séries, c'est pas les mêmes tarifs, je ferai le calcul moi-même et je vous dirai le prix. Voilà. Ensuite, pour les paiements, bien sûr, vu que c'est une vente, c'est à vous d'envoyer en premier, bien sûr. Alors pour ceux qui n'ont pas trop de confiance, sachez que j'ai fait quand même pas mal de réceptions de colis sur ma chaîne que vous pouvez voir. Que ce soit des échanges ou des ventes, j'en ai déjà fait. Donc voilà. Donc pour le paiement, c'est soit par PayPal, donc très sécurisé, ou via la poste en liquide. Donc pour le liquide, je vous conseille de mettre ça dans des pochettes ou tout du moins essayez de mettre des billets, hein, au lieu de mettre des pièces par exemple 5€, évitez de mettre des pièces de 2 et de 1, et si vous pouvez mettre un billet de 5 et donc le mettre je sais pas, dans un papier journal ou dans une pochette avec une carte pour le cacher, voilà, enfin vraiment essayez de vous arranger le meilleur que vous pouvez. Donc ensuite, je demande à recevoir l'argent une semaine après l'achat, c'est-à-dire quand vous me prenez des boosters, soyez sûr de pouvoir envoyer le lendemain ou dans deux jours, hein. Quand je dis une semaine, c'est-à-dire vous décidez de me prendre le lundi, si le lundi prochain j'ai pas reçu, ce sera annulé. Voilà, donc ça c'est votre problème. Autant pour PayPal, ça posera pas de problème vu que ça se paye en quelques minutes. Autant pour le liquide, soyez sûr de pouvoir envoyer le jour ou les deux jours d'après. Voilà. Bien sûr, s'il y a eu un jour férié dans la semaine, je ferai des exceptions. Et bien sûr, donc comme je l'avais déjà dit, j'envoie après la réception de la lettre, ça je l'ai déjà dit, voilà. Donc si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas aussi par MP à me dire les boosters qui vous intéressent, hein. Je mettrai les stocks des boosters dans la description, comme ça vous saurez ce que j'ai encore, donc n'hésitez pas à me le dire vite, le plus vite possible. Ensuite, si vous avez donc, comme je l'ai dit, d'autres questions, si vous avez aussi des boosters qui vous intéresseraient en coréen ou en japonais pour ma prochaine commande, vu que je pense que je commanderai dans 2-3 semaines, parce que je pense que ça va partir vite, je pourrais en recommander. Donc n'hésitez pas à me dire les boosters qui vous intéresseraient, s'il y a encore du Shiny Collection qui vous intéresserait, que ce soit en coréen ou en japonais, voilà, tout ça, voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Voilà, donc c'est fini, donc comme je l'ai dit, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas encore à reposer, je sais, je l'ai dit, mais je veux être sûr que tout le monde a bien compris. Vous pouvez donc, si vous voulez aimer ma vidéo, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Victinium et de Mastercard 38 qui seront dans la description. N'hésitez pas, si vous voulez, voilà exactement, donc à mettre un commentaire comme je l'ai dit, à aimer si vous le voulez, à vous abonner si vous le voulez. Et donc je vous souhaite de bonnes fins de vacances et de bons achats. Je laisse donc les dernières paroles à Mastercard 38. Ouais, ciao les gens. Voilà, et à Victinium. Ouais, voilà. Bye bye.